Ça dure pas, c'est pas drôle. Sur le comptable, c'est mieux. Et au moins, t'as un écran orientable. Ouais, bah ça se voit, hein. T'es un peu, t'as mis le sport. Ah, tu... Attends, j'ai donné un grain, tu faisais ça, là, et ça bougeait pas. Ah, c'est pas De quelle sécurité quand même.
était faite dans le stand. Ouais. Un Microsoft là, il rit un peu. Oh, c'est Albaton. Ah ouais, c'est vachement mieux. Beaucoup plus pratique. Vous êtes probablement au courant, mesdames et messieurs, et peut-être pas au courant, ce serait assez grave, des méfaits que ACTA, vous allez recevoir chacun des tracts à ce sujet, est en mesure d'amener dans vos différents business. Car oui, il ne s'agit pas uniquement d'une parade juste pour rigoler, il s'agit de contrer une loi extrêmement nocive qui est actuellement en cours de vote au Parlement européen. Les gens en ce moment, issus de la mouvance libre, sont en train de militer contre cette loi qui a pour objectif de tuer dans l'œuf toute innovation qui rentrerait en conflit
avec une innovation qui ne serait pas sous brevet. L'objectif ici, c'est de vous amener à appeler massivement vos eurodéputés de façon à montrer votre désaccord envers cette loi qui n'est pas uniquement une loi qui va impacter le logiciel libre dans son ensemble, mais qui va impacter directement votre business. Si vous êtes ici dans une salle de conférence, vous avez probablement un business à faire tourner. Vous êtes en danger vis-à-vis de cette loi qui peut vous mettre en porte-à-faux par rapport à des brevets qui auraient été déjà déposés par des sociétés qui ont tout simplement plus d'argent. Je vous invite donc, d'ici une petite demi-heure, à rejoindre un des innombrables stands du village d'association afin de savoir qui appeler, quoi lui dire, quel discours donner et comment contrer cette loi extrêmement nocive qui, je le répète, va impacter chacun d'entre vous. Je vous remercie. Je rappelle, je l'ai dit, mais je rappelle que le vote a lieu demain, ainsi il est important que chacun d'entre vous se mobilise, dès que possible. Le village des associations est ouvert, juste avant cette manifestation, pour vous montrer quelles sont les méthodes, et quoi dire, sur quel site aller et qui appeler, pour contrer cette loi. Je le répète, vous pouvez, dans ce cas, vous en danger votre réputation, votre liberté de publier, votre liberté de On arrive
Mais il n'en reste pas moins si vous allez, que vous êtes malgré tout auteur de logiciels qui fréquentent. De ce fait, vous êtes directement impacté par ACTA. Directement impacté. Non. Ce que je veux dire, c'est que quand bien même vous êtes baqué par les gens qui sont tout là-bas, il est tout à fait probable que demain, à l'issue d'un logiciel libre que vous allez publier, vous pouvez être mis devant un tribunal parce que vous copiez une idée. Ceci, vous pouvez le contrer immédiatement en appelant les eurodéputés. Toutes les informations vous seront données dans le village des associations. J'ai l'impression que vous en foutez, monsieur. Il est important que chacune des sociétés qui est présente ici se rende compte que ACTA est une menace directe de son activité et qu'il est important de se mobiliser et d'appeler les eurodéputés. Nous avons réussi à faire annuler plusieurs lois. Les votes ont été en notre faveur sur plusieurs lois. Il est encore possible d'agir. Il vous reste quelques heures. Appelez aux eurodéputés et faites savoir que cette loi, vous n'en voulez pas. ACTA, on n'en veut pas. Prenez vos aises. Oh non, hey, on est chez nous. Je constate avec effroi pour quelle raison tout à l'heure Alfonso n'est pas là, effectivement. Alfonso, oui. Si, il est là. Ah bon. Avec regret que la population qui encadre le stand si présent est essentiellement constituée du village des associations. Je dis avec regret parce que cette loi dont nous parlons, ACTA, va directement impacter la plupart des associations qui se trouvent ici, des sociétés qui se trouvent non pas dans le village, mais dans la partie corps. Et cela va les impacter directement, pourquoi? Parce que tout le monde n'a pas les moyens de la société ici présente. Il détient un certain nombre de brevets. On me demande de baisser le volume. Ah, d'augmenter le volume. Est-ce que c'est mieux comme ça? Il est important de se mobiliser contre ACTA, parce que ACTA sert des intérêts
brigands financiers d'amener le logiciel libre en procès. Nous pouvons continuer à développer parce que c'est notre passion. Ce n'est pas forcément notre métier dans la plupart des points, c'est notre passion. Nous avons le droit de continuer à développer du logiciel libre. Aujourd'hui, une partie non négligeable. De votre matériel, de vos téléphones, de vos systèmes d'exploitation, du fameux cloud, fonctionne avec du logiciel libre. Vous le savez ou vous ne le savez pas, mais vos téléphones Android fonctionnent sous Linux. C'est une défaite cuisante pour ces gens-là. C'est une défaite cuisante. Il y a une quinzaine d'années, Microsoft disait que nous militions pour une peine perdue. L'histoire a montré le contraire. Il est important que chacun d'entre vous se mobilise contre les lois liberticides qui tentent d'être publiées, passées, votées contre la liberté sur Internet, contre la liberté d'expression, contre la liberté de développer. Il est important que chacun d'entre vous appelle. Il est important de se déplacer vers le village des associations. De toute façon, il n'y a personne ici. D'avoir des informations, qui appeler, comment les appeler, quoi leur dire, comment se manifester. Les eurodéputés sont à l'écoute. Ça les fait méga chier, il faut être clair. Mais ça a un effet. On a réussi à annuler, ou en tout cas à être vainqueur sur trois lois. C'est colossal. Et je tiens ici à tirer mon chapeau à Jérémy Zimmerman et à la Quadrature Lunette, s'il vous plaît. Qui font un travail colossal. Soutenez-les, appelez-les, faites des dons, appelez, faites ce qu'ils font. Donc, cette affiche qui est toute faite magnifique doit rester ici jusqu'à la fin du salon. Est-ce que vous êtes d'accord? Ouais. Jusqu'au vote, ça me paraît tout à fait clean. Bravo, j'ai envie de dire bravo. Nous n'avons pas toujours été d'accord avec Microsoft, mais pour une fois. Est-ce qu'ils ont enlevé l'email du CDSD dans leur code? Blague à part, je vous demande à tous villages qui êtes venus en masse, et je vous en remercie à cette manifestation, d'appeler, appelez vos eurodéputés. Nous allons avoir accès pendant une heure complète à l'Internet, au site, la Quadrature du Net, grâce, et je les en remercie, à Tarsus qui nous offre pendant une heure l'accès, s'il vous plaît. Merci Carole, merci la Quadrature, merci Tarsus. De toute façon, vous ne devez pas relâcher le feu. La plénière a lieu le 3 juillet, quel que soit l'issue du vote demain. Vous devez vous manifester. Vous êtes tous ici invités à vous manifester. Vous êtes la communauté. Vous faites partie de cette communauté. Vous créez cette communauté. Appelez. Et pour la plupart d'entre vous, effectivement, vous en vivez comme moi. Ça vous prend 5 minutes. Vous mangez avec ça, effectivement. Appelez. Ça va vous coûter 0,03 centimes d'euros. Passez un coup de fil à vos eurodéputés. Faites-le. Et si vous êtes des pirates, il y a les droits.
Thank you.
Je veux faire de la connivence. Eh bien, ça, c'est bien. Puis-je me permettre d'enfin de sonner pour quelques secondes avant de m'en sécuriser le chef. Excellent. Mesdames, messieurs, très rapidement, nous allons ouvrir dans quelques minutes le village des associations, fondation, à vous informer sur comment, pourquoi appeler aux eurodéputés pour manifester contre ACTA, qui est un projet de loi qui vous met tous ici en danger par rapport à vos créations, par rapport à vos idées, par rapport au logiciel que vous allez créer, parce que vous n'avez pas forcément les moyens de toutes les sociétés qui sont ici présentes et qui ont déposé des brevets. ACTA donne le droit à des sociétés d'annuler vos idées, de vous mettre en porte-à-faux, de vous amener en cours sur des idées originales, sur du logiciel libre que vous aurez pu créer. Je vous invite à faire le village des associations d'ici quelques minutes afin d'avoir la liste de toutes ces informations le plus rapidement possible. Il faut appeler. Nous allons vous distribuer des tracts de façon à ce que vous sachiez plus rapidement de quoi s'agit-il. Manifestement, les conférenciers ici présents savent déjà de quoi il s'agit. Vraiment, je les remercie de son temps de parole. Mobilisez-vous, parce que ça vous concerne également. Cédric, qui est le chef de cette après-midi de conférence, me dit qu'il donne autorisation aux intervenants au public de s'absenter un petit quart d'heure tout à l'heure. J'ai envie de dire bravo. Papa, merci. Et de facto, allez, papa, vous êtes des pirates. Donc je vous invite effectivement à attendre la fin de mon speech. Il y a la copine à Papa là. Il y a la copine à Papa. Ah oui, il y a Papa. Thank you.
C'est en direct ou pas? C'est en direct? Ça peut être diffusé avant demain? Ah, hey, il faut faire un effort, hein. Le vote, faut faire un effort. Si c'est pas diffusé, on a des caméras sur les côtés. Merci à te voir. On va se mettre à côté. Papa, papa, écoute. Il y a un traducteur. Il n'y a pas de sens. Il n'y a pas de sens. Pas de retour. Ah, 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 ah. Allez, on refait. On l'a refait. Allez, on est reparti. On se fait sur les listes avec papa. Générique. Donc, papa et des pirates, qu'est-ce qui se passe là? Alors, je laisse la parole à papa. Vas-y. Pimpin est pas content. Trop bien, ouais. Pimpin est pas content. Parce que ACTA, cette loi qui est en passe d'être votée au Parlement européen, va l'empêcher de développer du logiciel libre sereinement. Et Pimpin, avec ses deux doigts, développe du logiciel libre. Trois doigts, pardon, papa. Et globalement, ce que ACTA fait peser sur nous, le village global des associations, c'est une menace sur la création. Lorsque nous, dans le village, créons des choses, nous le faisons souvent hors des heures ouvrées, parce qu'on aime ça, parce que c'est du logiciel libre, parce que on a une idée. Possiblement, cette idée, elle existe déjà. Elle a déjà été développée, par exemple, par des sociétés dont le nom se finirait par Soft. Au hasard. Mais nous ne sommes pas une société, nous sommes une communauté. Nous développons par envie, pas par besoin, pas par le besoin d'argent. Et aujourd'hui, ce qui pèse sur nous à travers ce type de loi, c'est une vraie épée de Damoclès qui nous empêche de donner libre cours à notre création. Je vais vous donner un exemple très concret, très très concret, qui date d'il y a quelques semaines. Alors, je vais rentrer un tout petit peu dans la technique, mais je vais essayer de rester accessible. Il y a quelqu'un dans la communauté open source qui développe un paquet, donc un logiciel, qui s'appelle TZ Data. TZ Data, c'est un paquet qui permet à votre système d'exploitation de rester à l'heure. Hein, c'est tout simple, c'est un tout petit paquet qui va se connecter sur des serveurs de temps, ce qu'on appelle des serveurs de temps. Sauf que il y a une société qui faisait de l'astrologie, qui avait déposé des brevets sur les serveurs de temps. Et elle a demandé aux développeurs de TZ Data de stopper immédiatement la mise à jour de ce paquet, parce qu'elle avait des brevets sur cette technologie, si on peut parler de technologie, parce qu'on est vraiment dans l'absurde, hein, on est dans l'idée de mettre à jour des machines. Hein. C'est contre ces idées-là que nous faisons des manifestations comme ça, contre lesquelles on amène une idée, on amène une action. On veut juste simplement, très simplement, pouvoir développer pour le plaisir. Eh ben c'est bien, ça serait bien, parce que effectivement, si on ne peut plus mettre nos ordinateurs à l'heure, ça va devenir pénible. Hein. Effectivement, ça peut être pénible. C'est que le début. Ce n'est que le début, effectivement, parce que les logiciels, c'est une première partie de l'action. Et derrière,
c'est la liberté d'expression sur Internet, c'est le contrôle sur Internet. ACTA, ADOPI, LOPSI, toute cette gamme de lois n'a pas pour objectif d'aider la création. Il faut absolument oublier ça. On s'en fout complètement de la création. Ce n'est pas l'objectif. L'objectif, c'est de contrôler Internet. Aujourd'hui, Internet, malheureusement, pour... Alors, je mets c'est quoi le danger d'Internet ? Internet, c'est, pour paraphraser quelqu'un de connu, c'est une, je cite, saloperie qui permet de, aux gens de parler entre eux. Ah, c'est ça, c'est... Et effectivement, c'est un danger. Alors, évidemment, c'est l'objectif, c'est ouais. Évidemment, c'est là où on glissait. Mais c'est pas celui qui dit actuellement disait. Non, mais attends, mais en fait, je me permets de préciser. Après, le livre n'est pas directement le premier touché en fait, par ACTA. C'est, on va dire, un dommage collatéral. Notamment au niveau du livre, ce qui va concerner ACTA, c'est surtout les DRM, les fameuses menottes numériques qui sont sacralisées par ACTA. En fait, c'est le principe de protéger juridiquement les menottes numériques qui nous empêchent en fait, de mettre en œuvre des usages privés qui sont parfaitement légitimes. Mais ACTA, c'est aussi transformer les fournisseurs d'accès, en fait, les entreprises d'Internet, en police privée du droit d'auteur au service des ayants droit pour, entre guillemets, attaquer ou poursuivre les téléchargeurs illégaux. Et ça crée de nouvelles sanctions pénales, dans un flou absolu. Et beaucoup plus grave encore, c'est que ACTA, chose qu'on ignore souvent, crée un comité, qui est le comité ACTA, qui est donc indépendant de tout pouvoir élu. Et ce comité ACTA est chargé de revoir les règles d'ACTA. Donc en fait, ACTA tel qu'on le connaît, s'il était voté aujourd'hui, non seulement il serait très très problématique, mais en plus, via ce comité ACTA, il n'y aurait plus besoin ensuite de passer par le Parlement européen, par les parlements nationaux, pour faire évoluer les règles du jeu. C'est plus pratique. Hein, et c'est beaucoup plus pratique, évidemment, pour les lobbies. Donc c'est pour ça qu'il est important d'agir. Donc demain, en termes de calendrier, il y a le vote dans la commission du commerce international, qui est la commission qui est saisie au fond au niveau du Parlement européen. Les trois commissions saisies pour avis ont voté contre ACTA. Mais ça ne veut pas dire que demain, la commission au fond va voter pour contre ACTA ou pas. Ça peut se jouer à une ou deux voix près. Et on l'a vu dans d'autres dossiers, sur DVSI, sur les brevets, que des fois ça se joue à pas grand chose. Donc demain c'est INTA, Commerce International, qu'il faut appeler les députés. Le 3 juin, c'est le vote en plénière. Et donc si demain INTA, quel que soit son vote, en fait il y a quand même un vote en plénière le 3 juin, 3 juillet, excusez-moi, 3 juillet, où là l'ensemble des parlements, les parlementaires vont s'exprimer. Il est important vraiment de comprendre que ça peut se jouer à quelques voix près. Et que ce qui est plus important, ouais, c'est 3 mars, tout ça, c'est un peu tatif. Ce qui est beaucoup plus important encore, c'est vraiment que ce que ça met en œuvre, c'est une carte blanche à des lobbies pour faire évoluer les règles du jeu au fur et à mesure des années, sans plus jamais passer par le système parlementaire et notamment par le citoyen. Donc il paraît qu'en France, le... Pardon ? Oui, alors ça touche aussi, on le souffle, ça touche aussi les médicaments génériques, évidemment. D'ailleurs, normalement, à cette heure précise, il y a un communiqué de presse commun entre April, la Quadrature du Net, ACT UP et d'autres organisations sur effectivement les questions logiciels libres, les questions internet, les questions médicaments génériques. Ouais, 3 juillet, effectivement, le vote. Et vraiment, j'insiste, ah oui, ce que je veux dire, c'est qu'il paraît qu'en France, le nouveau gouvernement, en tout cas le président et un certain nombre de personnes du gouvernement, se sont régulièrement opposés à ACTA avant, quand ils étaient dans l'opposition. Vont-ils le faire après ? Vont-ils le faire après ? De même façon, vont-ils abroger ADOPI ? Non, ça on sait qu'ils ne vont pas l'abroger, d'accord ? C'est vrai. DATSI, peut-être qu'ils vont l'abroger. Donc en tout cas, ils ont la responsabilité aujourd'hui de pouvoir au niveau parlementaire européen, de jouer leur poids, à la fois sur ACTA, puis je vais me permettre juste un petit mot sur un autre sujet qui est en parallèle, que tout le monde oublie, et qui est encore beaucoup plus important pour l'ensemble des entreprises qui sont là, c'est celui des brevets logiciels. Actuellement, il y a au Parlement européen un autre sujet, c'est le brevet unitaire. Un certain nombre d'amendements proposés font que potentiellement le brevet logiciel pourrait revenir. C'est pareil, ça passe au Parlement européen, au Conseil des ministres européens fin juin, au Parlement européen début juillet. Donc là aussi, une fois que vous aurez appelé ACTA, enfin les députés sur ACTA aujourd'hui, demain vous allez sur brevetunitaire.eu et vous allez voir les amendements à pousser pour que le brevet logiciel ne revienne pas en Europe également. Donc il y a okay. Vraiment deux sujets importants en ce moment. Donc on va essayer de sauver Pimpin. Hein ouais 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 ouais. Thank you.
Ah oui, le... merci Philippe. Carole, il faut prévoir des douches pour l'an prochain. Ouais. Parce que nous, on n'est pas... Thank you.
toute façon, si on revient, on casse tout. Je travaille dans l'informatique et je comprends rien. Vous découvrez le photomaton. J'ai l'impression que c'est le photomaton. Non, parce que le photomaton, c'est pas en 10 sur 10, quoi. Faut glisser, fais glisser les bandes. Allez, clique avec. Okay. Pourquoi ça marche pas, Windows? Okay. Pourquoi ça marche pas, Windows? Oula, il a du mal à stabiliser, là. C'est l'autocollant, Calme-toi. C'est bon, je pense qu'on va... Calme-toi, Windows 8. Bon, allez. On a cassé Windows 8. On m'a dit qu'il reste une dernière conférence. Démonstration SkySQL dans 3 minutes sur le sol européen. Démonstration SkySQL. Et je parle plus fort que toi. Présentation du Power Crossmedia Simon Bleu. Ça va? J'avais entendu dire. C'est du web 2. C'est du web 2. Bonjour. Merci beaucoup. Alors, ça cause d'OpenTAC et ça tombe bien. OpenTAC, c'est un logiciel libre. Dans la hype, on appelle ça un logiciel open source. Le cloud, OpenStack et d'autres logiciels comme ça sont des logiciels libres qui vont être les cibles de lois comme ACTA. ACTA va viser des logiciels. Ceux que vous allez utiliser, des idées originales que vous allez avoir, et vont vous mettre dans une situation extrêmement critique par rapport à des sociétés comme celles qu'on veut trouver pas loin d'ici, qui détiennent des brevets sur des solutions que vous utilisez. ACTA, ce n'est pas une lubie, ce n'est pas simplement une manifestation comme ça à solution Linux. Il faut que chacun d'entre vous se mobilise, appelle son eurodéputé et manifeste son désaccord par rapport à cette loi qui met en particulier le logiciel libre, mais pas uniquement, vos libertés personnelles en péril. Le logiciel libre, comme vous le savez, vous êtes tous ici en train d'écouter une conférence qui est probablement très intéressante, et je suis sincère, va mettre tous ces logiciels que des gens comme tous ceux que vous voyez autour de vous créent de manière libre, juste comme un passe-temps, mais un passe-temps passionné. Et on est en train de rentrer dans un système où la passion, la volonté va être confrontée au lobby. Et aujourd'hui, il ne s'agit ni plus ni moins que de la confrontation des lobbies envers la passion de l'informatique. Donc, si vous aimez ces sujets, si vous voulez pouvoir continuer à utiliser ce logiciel libre, librement, à les déployer, à avoir des nouvelles idées sans avoir à débourser plusieurs dizaines de milliers d'euros pour pouvoir continuer
à les utiliser. Alors je vous invite à contacter vos eurodéputés. D'ici quelques instants, sur le village des associations, nous allons vous fournir toutes les informations nécessaires pour manifester votre désaccord contre cette loi ACTA. Appelez vos eurodéputés et votez contre ACTA, évidemment. Merci à tous. Et en fait, ça, c'est vachement bien. Ouais. Mais moi, je précise quand même que tout ce qu'on fait pour l'instant, on le fait au sein de la communauté Debian. Donc, je vous invite à vérifier tous nos paquets sur labs.eros.com. Bon, ce que vous pouvez faire, du coup, à la fin, c'est ce genre de choses, que ce soit pour refacturer à l'intérieur de votre BU. Là. J'ai trouvé des gens sales encore, ça m'énerve. Des gens sales un peu. Pas là. Regarde. Doucement. J'ai pas bien. Doucement, Emile, pas doucement. Papa. Doucement. Est-ce que papa peut venir valider est-ce que ça sent très bon par ici c'est ou pas du Windows. Non, c'est pas je du Windows. Je pense que ça sent bon. On est à la solution Linux, ça peut pas être du Windows. Non, c'est pas possible. Il faut regarder celui-là en fait. C'est... Black ou pas? Oui, ça, c'est, ça c'est fini, ça, hein? C'est saisi par la justice. On y va. Ah ouais, on est là. Ouais. Mais ils apprennent jamais, hein. C'est quoi ça? C'est assez. Il y a qu'un nœud, on vous le dit, hein. Il n'y a pas de moyen. Hein. Ici, ils vont pas te non, mais il est où le clavier de cette fois? Attends, je suis en train de cliquer. Ça marche pas, attends. Ça clique pas. C'est le ThinkPad qui est en ici, ils sont au Microsoft Dead Days. Mieux me coder avec un chat qu'avec une souris. Attends, penche un peu l'écran derrière. Je pense que je l'ai trouvé. Attends, celui-là. Oh là là, j'ai bien cassé. Ne bouge surtout pas. C'est encore moi. T'es en courant ou pas? Merci de prendre la place.